Bonjour, je m'appelle Alexandre Hurstel, je suis arrivé chez Gymlib en mai 2018. Ça va faire donc 6 ans que je suis dans l'entreprise. Je suis arrivé en tant que stagiaire dans l'équipe Activation et Customer Success. Puis, suite à ça, j'ai été recruté en tant qu'alternant dans l'équipe partenaire où j'ai d'abord été business developer, puis account manager jusqu'au Covid. Et pendant le Covid, pendant que le business était à l'arrêt, moi je me suis reformé sur le code, sur la manipulation de la data et aussi sur la partie un peu plus opérationnelle et sales ops. Suite à ça, j'ai postulé en interne dans l'équipe business opération. Et donc aujourd'hui, ça fait désormais 4 ans, donc depuis février 2020 que je suis arrivé dans cette équipe business opération et je suis désormais lead business operation manager dans l'équipe depuis 6 ans aujourd'hui. Mon travail, il consiste en deux grands axes. J'ai un premier bloc qui consiste à s'occuper des sujets plus opérationnels et donc de la fiabilité des processus internes. Donc ça consiste à avoir des gros projets comme l'automatisation de process, comme la facturation des entreprises clients ou de la rémunération des salles partenaires, mais ça peut aussi être l'aide au quotidien des équipes commerciales pour qu'on leur retire toutes les petites tâches administratives qu'ils peuvent avoir pour qu'elles soient plus productives dans leur cycle de vente et les aider vraiment à s'alléger de tous ces sujets-là. Et l'autre bloc, c'est le bloc data. Donc là, c'est toute la structure des bibliothèques de données entre l'équipe tech quand la data sort brute et la structuration de ces données pour les équipes BI. Et également, du coup, la structuration de dashboards dans des outils de visualisation comme Sisense ou Tableau pour qu'on puisse élaborer des dashboards soit aux équipes internes ou sinon des reportings pour nos entreprises clients ou partenaires. Aujourd'hui, bah, j'ai découvert ce que j'aime faire au quotidien, dans mes missions. Donc ça, c'est vraiment grâce à Gymlib et aussi à la fois personnellement, où du coup, bah, j'ai grandi avec cette entreprise sur les 6 dernières années. J'ai appris à avoir plus confiance en moi et aussi du coup, sur l'aspect sport qu'on a aujourd'hui la possibilité de faire avec les collègues au quotidien, où là, bah, je me suis trouvé une vraie appétence sportive. Donc, voilà. Le conseil que j'ai à donner pour les futurs candidats, moi, c'est restez vous-même. Honnêtement, nous, chez Gymlib, on privilégie toujours les soft skills par rapport aux hard skills. Donc, si tu veux te découvrir personnellement et découvrir plein de choses professionnellement, faut pas hésiter, faut postuler chez Gymlib, car l'ambiance, elle est vraiment incroyable. Et si je suis encore là, c'est tout simplement parce que l'entreprise est parfaite.